Oh, salut tout le monde! Là, on est dans le coin de Baie-Comeau. J'espère que ça va tenir le direct. Mais là, il faut que je vous retourne ça. Comment je fais pour le retourner? On est avec des baleines à bosse. Ah, il y en a une en avant! Là, il y a trois baleines à bosse autour du Zodiac. Là, je vais me concentrer sur celle en arrière. Si je me retourne, vas-tu ressortir? Oh ouais, voilà! Il y a des baleines à bosse tout le tour du Zodiac. Donc le truc pour voir des baleines, c'est pas compliqué. Tu t'en vas dans le secteur, t'arrêtes tout. Puis t'attends que les baleines viennent au bateau. OK. Oh, elle est proche! Il y a aussi plein de marsouins autour. Puis là, ce qui attire particulièrement mon attention, c'est que on a une baleine à bosse avec la queue coupée. Il manque une partie de la queue, puis je pense que c'est celle-là ici, juste devant. Puis là, j'aimerais ça qu'on soit capable de... Là, j'essaie de faire des photos de cette queue-là pour être capable de l'identifier, puis d'envoyer à des biologistes pour qu'ils puissent l'identifier. Ah, tabarouette que c'est beau! Oh, il y en a deux, là! Il y en a quatre autour du bateau! Il y en a quatre! Mais là, ça, je pense, c'est... Attends, il faut que je regarde. C'est-tu... Ça fait que c'est pas la queue coupée. Ça, c'est pas gros, là. Ça fait que ça, je pense qu'on a... C'est-tu un juvénile? Et là, c'est le fun. Je suis super content. Parce qu'on a Liam avec nous. C'est la première fois qu'il voit des baleines de son souvenir. Et les baleines sont à 100 mètres. Tu te fais pas regarder. Voilà, mais écoute, c'est pas une espèce menacée, j'ai pas besoin de m'en aller. C'est les baleines qui sont venues. Fait que dans ce temps-là, on n'est pas tenu de garder le 100 mètres. OK? Ça, c'est vraiment sur le site. Oh, arrête! À la puissance des poumons là-dedans. Oh, la queue! La loi sur les baleines, c'est que... OK, elle va sortir la queue, mais elle va être à l'envers. Ah, c'est la queue coupée! Ouais, mais on n'a pas le patron. Parce que... Ah, oh, tabarouette! Ah, oh, il y en a trois, là! Il y a cinq, on a cinq baleines! Ah, oh, tabarouette! J'ai jamais eu des belles shots d'enfer. Là, hein, Liam, c'est ses premières baleines, tout jeune, oh, sans rappeler. Puis là, même Marc, hein, qui en a déjà vu, c'est un kayakiste émérite. Et là, mais des baleines à bosse, c'est la première fois, là. Ouais, c'est la première fois. Mais là, ouais, la queue coupée, ça m'intrigue, ça me dérange, parce que ça, vraisemblablement, ils sont là normalement. Quand les baleines sont comme ça, les baleines à bosse, on en a pour une dizaine de minutes. Oh, il y en a un autre qui vient de sortir là-bas, là! On en a pour une dizaine de minutes avant qu'il fasse surface. Ça, on va parler de la queue coupée. Il manque la pointe de la queue. Ça fait que ça soit que... Bon, ici, j'ai régulièrement eu des baleines à bosse qui étaient... qui avaient des marques de morsure d'épaulard sur l'aileron dorsal. Mais un morceau de queue qui manque, ça... Je le sais pas. Là, ça serait à des biologistes de nous répondre sur qu'est-ce qui a pu faire partir un morceau de queue à une baleine à bosse. Est-ce que c'est un animal ou est-ce que c'est un empêtrement dans des filets, puis à force de tirer, ben la queue a coupé avec sous l'effet du cordage. Je le sais pas. On essaye d'avoir le patron de queue. Ce qu'on n'a pas eu à date. On a eu la queue, mais par en avant. Puis pour être capable d'identifier ces animaux-là, ça prend vraiment le patron en arrière. C'est comme des empreintes digitales. Il n'y a pas une queue de baleine à bosse qui est pareille. Alors là, on va essayer de... Là, on a cinq autour du Zodiac, plus les marsouins. Là, on a un vent qui vient de se lever sud-est. Il nous éloigne, il nous rapproche de la côte. Hein, c'est nous, c'est les sites de plongée, ils sont juste derrière. Il y avait l'air à s'en aller un petit peu plus vers le large, nos chères baleines.
Mais ils sont passés en avant, il était quoi le son du pas de blague? Là, c'était quoi, 10 mètres? Ouais, 30 pieds à 3. Mais là, t'es un jeune, toi, t'es censé parler avec lui. Ah mon Dieu, ça explique tout ça. Pas encore... Oh, là! Oh, attends une seconde, là! Oui, c'est une baleine, mais là! Là! On vient de monter d'une coche! Là, c'est le rorqual commun! Donc aujourd'hui, on a vu marsouin, petit rorqual, rorqual à bosse, puis là, on vient de voir apparaître un rorqual commun. Là, on est passé de le marsouin, c'est à peu près 1 mètre. Le petit rorqual, c'est 6-9 mètres. La baleine à bosse, c'est 15-18. Puis le rorqual commun, c'est 20-25. Un autre là? Ça, c'est une baleine à bosse? On va regarder, on est censé en avoir là. Là, je m'excuse, j'étais à contre-jour. Puis là, on a du vent, c'est que là, moi, souvent. Oh! Elle s'en vient direct sur nous autres. On a une baleine à bosse. On a une baleine à bosse qui est en direction du Zodiac. Elle va-tu passer en dessous? Elle va-tu passer en dessous? Oh! Hey, c'est-tu une sixième, ça, ou ben non, c'est dans les... C'est une sixième, parce que les cinq sont... Les cinq sont partis vers l'est, puis là, on a une qui arrive de l'ouest. Fait que ça a l'air d'être une sixième baleine à bosse. Tabarouette! Quel pays merveilleux qu'est le nôtre! Oh! Wow. Là, on a tout... Les moteurs sont éteints, on dérange absolument pas. Ils sont en frénésie nourricière. Il y a plein de poissons sur la pointe. Là, ça, c'est à peu près, je dirais, 20 mètres, 15-20 mètres de distance. Là, elle va sortir là. Ah! J'avais dit là, je l'ai eu! Il est rendu, je connais pas ça. La queue! Ah, oh, c'est la queue coupée! OK, ça veut dire qu'on en a 5. Hey, mon téléphone, tabarouette, vas-tu avoir assez de jus? J'ai pas chargé mon téléphone! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y a quelque chose, là, je filme ça là, du mieux que je le peux. J'espère que vous voyez tout comme il faut. On est à peu près à 20-25 km de Bécomo. On va essayer de vous remonter la prochaine sortie de nos baleines. Mais non, on va pas tout le temps habiller de viande de feu. OK, attends, on va leur remettre l'autre bord. Bon, il n'y a pas personne qui a des questions. Du poisson dans le coin, là, sont toutes. Oh! Ah, passe en dessous du bateau! Oh, regardez! La queue! OK! Là, tu l'as, le patron. Là, on va être capable d'identifier. On va être capable de. Puis ça a de l'air vraiment d'un cordage. Fait que là, tu vois, la baleine avec la queue à moitié, là, elle est en dessous du bateau, puis elle est en. Là, je pourrais même ouvrir le sonore, puis on les verra, tu passes en dessous du bateau. Mais ça envoie un ping qui est pas ça dérange pas. Bon, on va continuer, on a du fun. Pas besoin de l'aller, on va voir. Ouais. Fait plaisir, Daniel. Il passe en dessous du Zodiac, là. Là, t'as vu, là, t'sais, une baleine à bosse qui fait juste faire une surface comme ça, là, c'est parce que là, elle est vraiment en train de pourchasser les poissons, elle n'a même pas le temps de respirer. Là, c'est vraiment ma baleine. Oh, les petits pingouins! C'est vraiment ma baleine favorite que la baleine à bosse. C'est une baleine qui est ultra spectaculaire.
qui a tendance à s'approcher des bateaux. T'as pas besoin de courir après. Faut pas courir après les baleines. Tu t'installes dans le secteur puis t'attends qu'ils viennent. C'est ça mon truc. Avec la baleine à bosse, ça fonctionne super bien. Là, présentement, ils ont même pas connaissance qu'on est là. Le moteur du Zodiac est éteint. Le sonar est fermé. Il y a pas le ping qui s'en va dans le fond. Fait que, ils attendent. Oh! OK! Ils sont rendus plus loin, là. On en a deux qui ont fait surface au large. On va attendre pour voir si la queue coupée va réapparaître. On va virer ça de bord au cas où. Là, ils sont à l'horizon. Là, il y en a deux à l'horizon. Et on en a cinq dans le secteur. Là. Il y en a deux là-bas. On en a une qui vient juste de faire surface à côté du Zodiac. Puis on en a deux qui sont comme partis vers l'ouest. Là. Mais là, ici, la pointe où je suis, c'est vraiment un endroit où il y en a vraiment souvent. Moi, pour Ah ouais, ils sont là-bas. Là. On voit les souffles. Ouais, souffles. On n'a pas de juvénile dans le tas, on est correct. Parce que le juvénile, ça nous force à s'en aller. Okay, les deux souffles encore là-bas. On voit, là, ça c'est à peu près quoi? Ça, c'est à peu près ça, 400 mètres. Un marsouin, hein? Il est juste là. Tu ressortir. Non. Marsouin, défi quand même à faire des images de cette espèce. C'est tellement petit. Bon, les baleines à bosse font des apnées d'à peu près 10-15 minutes. Là, ça fait quand même un bout qu'on n'a pas vu la queue coupée. Merci Marie-Pierre, ça me fait plaisir. C'est ce qui se passe dans l'animalier en 2022. Hein? T'es à travers les baleines à bosse, mais tu parles quand même sur Facebook. Oui, Mylène, pointe à la croix. OK, là, sont loin. Oh, la queue! 400 mètres à peu près. On va pointer à la croix là, depuis hier. Oups, ça, je sais pas si c'est le cellulaire, c'est vraiment loin. On va voir la queue. Fait que là, on a deux qui ont sondé là-bas. Pointe à la croix depuis hier, c'est vraiment. Oh, il y a quelque chose qui vient de sauter là-bas. Pointe à la croix depuis hier, c'est vraiment la folie. Là. Hier, il y avait au moins 10-15 tirorcales en alimentation. On voyait quand il rentrait dans les bancs de poissons, là, il virait sur le côté. On voyait les gorges blanches, toutes. On va faire un beau pléonasme, là, une belle répétition. Les gorges gorgées d'eau. Il y en avait au moins 10-15 hier, c'était plein. Oh! Baleine à bosse, OK, celles à l'ouest sont là. Ils sont loin aussi, 400 mètres. Fait que hier, il y avait au moins ça de petits rorcales. Hier, on avait des rorcales communs aussi. Mais les rorcales communs, on a eu un rorcal commun. On a eu des rorcales à bosse, mais rorcales à bosse, hier, il y avait un juvénile, il y avait un bébé. Fait que là, avec un bébé, on n'y est pas, on s'approche pas. Là, aujourd'hui, on a beaucoup moins de petits rorcales, mais on a vraiment beaucoup plus de baleines à bosse. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais là, ils sont en train de s'éloigner. Alors, je pense que je vais vous arrêter ça là, les amis. Je vais évidemment le partager sur ma page. Vous allez pouvoir réviser ça. Qu'on a vécu. Puis là, nous, ben, on va aller maintenant explorer les profondeurs du Saint-Laurent. OK, à la prochaine!